Bonjour, peuple de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, que notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les dieux. Nul n'est comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est l'unique et le véritable Dieu. Nous sommes là pour lui, bien-aimé, dans les seigneurs. Nous vous invitons, bien-aimé, s'il est nécessaire, de s'abonner massivement à notre chaîne et pendant ces moments de prière, de partager nos vidéos à nos bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimé, envoyez plusieurs liens à tes proches, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, ça sera une chose importante pour soutenir, bien-aimés, les autres personnes à participer à ce programme de prière avec nous. Bonjour, Maître Mongol Ntsingi Ntsingi, que Dieu vous bénisse. C'est Gisèle Malungu, bonjour, que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est Marie Lomoto. Bonjour, pasteur, soyez béni. Amen, ma sœur, que Dieu vous bénisse aussi. C'est Mamie Ndongo Shalom, que Dieu vous bénisse. Sœur Élisée Lula, bonjour, que Dieu vous bénisse. Sœur Abigail Nzazi, que Dieu vous bénisse à vous tous, bien-aimés. Envoyez des liens à nos frères et sœurs. Vous voyez que ton frère n'est pas là, ta sœur n'est pas là. Bien-aimé, c'est notre rendez-vous sacré. Vraiment, c'est notre rendez-vous sacré. C'est notre rendez-vous sacré, bien-aimé, comme vous le savez. Nous approchons, bien-aimé, nous nous approchons vers la fin. Nous nous approchons vers la fin, bien-aimé, de ce programme des 30 jours de jeûne et prière. Bien-aimé, toujours pousse en anasuka. La Bible me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, il nous reste 24 heures pour terminer ce programme de jeûne et prière. Bien-aimé, il nous reste seulement une journée, bien-aimé. Je sais que la fatigue commence à se manifester. Hein, bien-aimé, c'est normal. Un mois de jeûne et prière. Je sais que la fatigue commence à se manifester. Le corps commence, bien-aimé, dans le Seigneur, à être fatigué. T'inquiète pas, c'est normal. C'est toujours comme ça. Parce que le programme, bien-aimé, est tellement, tellement efficace. Bien-aimé, comme je vous ai dit, dans 24 heures, nous allons terminer notre programme de un mois de jeûne et prière. Dans un mois, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans 24 heures. De la même manière, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons terminer notre année. Il nous reste vraiment quelques heures, comme je vous ai dit, 24 heures pour terminer cette année 2020. Tenez, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, nous allons prier, bien-aimé. Confiez ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ nous parle du début jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, le Dieu des grâces. Père, nous confions ces moments entre tes belles et saintes mains, Jésus-Christ. Je bénis ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui as commencé avec nous ce programme. Seigneur, nous arrivons presque à la fin de ce programme, Jésus. Nous demandons, Seigneur, ta présence. Nous demandons, Seigneur, ta main forte puisse nous soutenir. Ce moment éternel, notre Dieu, que nous voulons partager la parole divine. Seigneur, agis puissamment du début jusqu'à la fin. En nom puissant de notre roi et sauveur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen.
Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Comme bien-aimés, vous le savez, s'il est nécessaire, bien-aimés, vraiment s'il est nécessaire, likez, bien-aimés frères et sœurs, aimez la vidéo, frères et sœurs, envoyez ces signes-là, bien-aimés dans le Seigneur, les signes bien-aimés de cœur là, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas bien-aimés, toujours comme je vous ai dit, s'il y a des questions, posez vos questions. Par la grâce du Seigneur, nous allons répondre à toutes vos questions par la grâce de Dieu. Shalom pour nos bien-aimés qui sont sur Facebook, sœur Wet Miracle en Allemagne, que Dieu vous bénisse, sœur Irène, que Dieu vous bénisse, sœur Zizel Assombi, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne de près ou de loin, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bien-aimés, nous continuons les enseignements sur l'envoûtement. Bien-aimés, vous voyez, c'est un grand sujet. Nous n'arriverons pas à terminer ça demain. C'est vraiment difficile. Il nous est difficile de terminer, bien-aimés, l'envoûtement demain. C'est pratiquement impossible. Mais nous allons faire un effort aujourd'hui de terminer les signes. Nasa l'effort, le lonasi, ça va signe, il y a envoûtement. Comme ça, si Dieu fait grâce, l'obina moito parle, bien aimé, l'envoûtement financier, comment les diables attaquent nos finances. Bien aimé, hier, nous avions parlé, si j'ai une bonne mémoire, des signes bien-aimés d'envoûtement. Je vous ai parlé hier, bien-aimés, des conflits bien-aimés familiales persistants. Si dans notre famille, nous avons des conflits persistants, c'est un mauvais signe. Ou comme on a dans votre famille, il y a toujours des conflits. Bien-aimés, la famille de papa, la famille de maman, toujours des conflits. Bien-aimés, si vous remarquez les conflits visibles dans le monde visible, c'est que ces conflits-là commencent à partir du monde invisible. Donc, le conflit, il y en a beaucoup. Maintenant, bien-aimés, vous allez constater ça dans le monde visible. Je vous ai parlé, bien-aimés, 14e signe, c'était l'insensibilité catégorique aux choses de Dieu. L'insensibilité catégorique aux choses de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens qui sont insensibles, je dis bien insensibles dans les choses de Dieu. Les gens qui n'aiment pas la prière, les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, les gens qui n'aiment pas, bien-aimés dans le Seigneur, aller à l'église, payer la dîme, donner l'offrande, soutenir l'œuvre de Dieu, souvent, bien-aimés, ces catégories de gens ont, bien-aimés, aussi cet esprit d'envoûtement qui les empêche de ne pas aller à l'église, de ne pas faire ça pour le Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que nous avions partagé hier ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer sur 15e signe d'envoûtement. Le 15e signe d'envoûtement, c'est quoi? Bien-aimés, ceux qui écrivent, pouvez écrire, 15e signe d'envoûtement, c'est quoi? C'est mariage à problème. Bien-aimés, mariage à problème. Bien-aimés, si vous remarquez dans votre mariage, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes,
ça peut être un signe d'envoûtement. Mariage à problème. 15e signe, si vous écrivez, si vous pouvez manifester, si vous êtes bien-aimé dans le Seigneur, le 15e signe, c'est mariage à problème. Je vais vous expliquer c'est quoi mariage à problème. Je vais toucher quelques aspects. Premier aspect, bien-aimé, de mariage à problème, lorsque votre famille n'aime pas, bien-aimé, votre partenaire. Merci beaucoup, mon frère Boaka, tu es à top. Merci beaucoup, évangéliste Olivier. Merci, frère héritier, vous êtes à top. Merci, sœur Abigail, à vous tous. Mariage à problème. Bien-aimé, mariage à problème, c'est aussi des signes d'envoûtement que nous pouvons constater. Je vais vous expliquer comme je vous ai dit. Soit vous allez voir, bien-aimé, votre famille n'aime pas votre partenaire. Cela veut dire quoi? Famille à moi, si balingi mobali wanate. Famille à mobali, balingi moi si wanate. Bien que vous êtes ensemble, mais votre famille n'accepte pas ton partenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mariage à problème. Un autre bien-aimé exemple sur les malades, un mariage à problème, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a la présence de mari de nuit dans ces mariages-là, votre mariage sera toujours, bien-aimé, un mariage à problème. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des maris de nuit dans certains mariages, dans certains couples qui compliquent, bien-aimé, la vie de votre mariage. C'est pour cela, bien-aimé, quand vous constatez des choses bizarres dans votre mariage, bien-aimé, cherchez la délivrance. Et nous devons faire beaucoup d'attention. Tout commence par les choix. Bien-aimé, je vous ai dit l'autre fois, il ne faut pas voir seulement l'aspect extérieur de la femme ou de l'homme. Il y a dans d'autres familles, il ne faut pas entrer dans cette famille-là. Ce sont des familles à problème. Quand tu te maries dans cette famille-là, ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, sera un mariage à problème, complication. Il y a les gens qui te disent que non, attention, famille yoke kota, fais beaucoup d'attention. Alors, le kola, moi, si ton mouban, elle n'a pas de moi, à kekaka. Après, les problèmes commencent à arriver. Soit tu es bien-aimé, il y a la présence de l'envoûtement dans cette famille qui complique, bien-aimé, votre mariage. Soit à cause des maris de nuit, bien-aimé, qui est présent dans votre couple. Bien-aimé, la Bible me dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais depuis que tu as trouvé cette femme-là, bien-aimé, toi, tu as trouvé le malheur du monde. Ojoa pena malheur à Moukilinio, soyango yo, meme la, et l'oukilo a problème. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que le mariage soit honoré de tous, que votre mariage. Bien-aimé, s'il y a un mari de nuit, une femme de nuit, bien-aimé, ces esprits humains peuvent compliquer votre mariage. Peuvent compliquer votre mariage. S'il y a la sorcellerie dans l'une des familles, votre mariage sera aussi un mariage à problème. Bien-aimé, tu entres dans une famille où il y a la sorcellerie. Sache-le que dans votre mariage, bien-aimé, votre mariage, pardon, sera un mariage à problème. Le comportement de l'un ou de l'autre dans votre mariage sera aussi, bien-aimé, va influencer votre mariage. Il y a d'autres choses qui compliquent votre mariage aussi.
ce sont des influences extérieures. Les gens du dehors, bien-aimés, qui viennent compliquer votre mariage, créer des problèmes à votre mariage. Bien-aimés, tout ça, quand tu vois de telles choses, soit la famille que tu as décidé de s'engager, c'est une famille à problème. C'est une famille où il y a la sorcellerie. Alors votre mariage sera toujours un mariage à problème. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours sur le mariage, je vais aussi parler 16e signe, bien-aimé dans le Seigneur, quand, bien-aimé, un mari n'arrive pas à honorer son mariage. Donc, quand vous n'arrivez pas à honorer votre mariage, je pense que l'autre, il faut nous enseigner ça à l'église. Bien-aimé, mon frère, tu es ensemble avec ta femme 5 ans, 10 ans, mais tu n'as rien donné dans leur famille. Mon frère, ma soeur, tu cours des risques dans ton mariage. Vous allez remarquer dans ces couples-là, vous avez des possibilités, bien-aimés, de régulariser votre mariage, mais vous n'arrivez pas à faire ça. C'est aussi un signe d'envoûtement dans un couple bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez des moyens. Le papa est capable, bien-aimé, d'honorer son mari, d'honorer sa femme. Mais il n'arrive pas à faire ça. Il dit, mais non, moi je ne peux pas faire ça. Bien-aimé, ce sont des signes d'envoûtement. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'honorer ton mariage. Le diable aime que tu puisses vivre, bien-aimé, dans l'impudicité. Car lorsque tu vis dans l'impudicité, le diable est content. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des moyens. Tu peux honorer ton mariage, mais tu vis toujours dans l'irrégularité. Et tu n'arrives pas à honorer ton mariage. Mon frère, ma soeur, vous aurez des problèmes dans votre mariage. Dieu a donné, bien-aimé, à Adam, Ève. C'est Dieu qui l'a donné. C'est le Père qui a donné à Adam la femme. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre la femme comme ça en cours de route. Bien-aimé, tu la prends, tu le mets dans ta maison, tu vis, tu as des enfants. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Même toi-même, ma soeur, tu acceptes de vivre, d'avoir des enfants avec un homme qui a aussi des possibilités. Hasard à ma possibilité, il peut décider de, bien aimé, d'honorer ton mariage, mais il ne fait pas. Mais toi-même, tu te demandes, il a l'argent. Nous avons l'argent. Pourquoi nous n'arrivons pas à honorer, à régulariser notre mariage? Le diable veut que nous puissions vivre dans l'impudicité. Alors comme ça, quand nous vivons dans l'impudicité, bien-aimé, le diable a une porte pour nous, bien-aimé dans le Seigneur, nous attaquer. Le diable cherche toujours une porte d'entrée. Et la porte d'entrée dans votre couple, ça peut être le non, bien-aimé, régularisation de ton mariage. Vous vivez dans l'impudicité. Ton mari n'a rien donné, bien-aimé, dans ta famille. Il n'a rien donné. Mais il a des possibilités de le faire. Ce sont des mauvais signes. Quand vous voyez de tels signes-là, mon frère, ma soeur, priez ton Dieu de délivrer ton mari afin que Dieu puisse le toucher, de honorer ton mariage. Bien-aimé, surtout les gens qui sont ici en Europe, bien-aimé, si tu te décides, bien-aimé, tu mets ton Dieu devant, le célibat va tomber. Bien-aimé, le célibat va tomber. Mais d'abord, c'est le problème de te confier à Dieu et d'être déterminé. Tu dis non, moi, vraiment, cette année 2021, je vais honorer ma femme.
L'année 2022, vraiment cette année ne doit pas terminer. Je vais honorer ma femme. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'impudicité comme ça. J'ai des enfants dans l'impudicité comme ça. Alors le diable a une porte. Le diable va te réclamer parce qu'il voit une porte qui est ouverte dans votre couple. Donc ce sont des mariages à problème. Et au moment où on appelle bien aimé dans le Seigneur, famille à moi, c'est pas le bien, non. Bon, on a bien au bongo. On a bien sué que ça, on a mis l'autre côté. Moukoro boko zwa kaka, bongo ya kopé ça. Bien aimé, maloba mabe. Maloba mabe, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, maloba mabe, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est une famille à moi, c'est Zoloba. Bon, on a bien au kaka. Mukolonzamba ko pambola bino bongo boya ko pesa ka biloko alibala bo bomi tungisa mate papa ko tungisa mana yote wano pe papa lobi ah Yesu ku mama na yo zambe zwa lokumu famia mwasi balobi bazala bango presete to fanda na biso boyi to bota na biso boyi bien aimé ce sont des paroles mauvaises, ce sont des paroles de la sorcellerie. La famille avec vous compliquée. Famille on est ni compliqué bino bien aimé dans le Seigneur. Yon va lobi kozano presete bo fan dans la bino, bo bot dans la bino, c'est pas bien. Je vois une question de notre bien aimé Boaka. Alors quelles sont les solutions si nos familles aiment pas notre couple? Quelles sont des solutions si nos familles n'aiment pas nos couples ou notre couple? Quelle est la solution? Bien-aimés, la première réponse que je peux vous donner, bien-aimés dans le Seigneur, ça commence au départ, au moment des choix. Si vous voulez faire les choix, et qu'il y a des résistances dans la famille de l'autre. Attention, c'est un signe alarmant. C'est un mauvais signe. Que tu veux aller dans une famille, déjà, la famille-là résiste. La famille-là, lingi na bango yo frère, teto, lingi na bango moisi na yote. Déjà, au départ, c'est un mauvais signe. Car la Bible dit, deux personnes ne peut pas marcher ensemble. Bien-aimés, si au départ, ne sont pas d'accord, si au départ, il y a déjà quelque chose et des nyungu-nyungu, mon frère, ma soeur, faites beaucoup d'attention, ce sont des signes alarmants. Mais, si vous êtes déjà en couple, mais votre le famille de part et d'autre n'aime pas votre couple. Je parle ici des couples reconnus, bien-aimés, dans les familles et devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont mariés. Parce que si vous vivez bien-aimés et que tu n'as rien donné à la famille de votre femme, bien-aimés, dans les Seigneurs, tu as un couple, tu as marié. Donc, tu as un couple, tu as un décidé. Mais la question, je la réponds, si une famille reconnue devant, c'est-à-dire votre couple reconnu devant la famille, c'est-à-dire vous avez fait le mariage coutumier, et ce qui est très important aussi, la bénédiction nuptiale, bien-aimé dans le Seigneur, s'il arrive que vos familles n'aiment pas votre couple, une seule solution, bien-aimé, priez Dieu, priez le Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose, une semence, il y a un esprit, bien-aimé, qui veut, bien-aimé, dans le Seigneur, vous repousser de votre famille. Les conseils que je peux vous donner, priez le Seigneur, soit la femme ou l'homme était, bien-aimé, dans le Seigneur, lié à quelque chose dans cette famille-là. Comme toi, tu l'as épousé, c'est comme si, bien-aimé, tu l'as récupéré dans cette famille-là. Or, elle est réclamée par sa propre famille. C'est que moi, je vais vous dire, priez Dieu,
fait des programmes et des prières, des jeûnes, le Seigneur va vous montrer qu'est-ce qui ne va pas dans ces familles-là. Et bien aimé dans le Seigneur, comme étant Dieu, il va vous montrer, il va vous parler. Car si vous êtes déjà marié, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas, si vous êtes déjà marié, bien aimé coutumièrement, civilement, et vous êtes béni par Dieu, quels que soient les problèmes de vos familles, le divorce est interdit. Nous ne pouvons pas vous conseiller de divorcer. C'est vraiment interdit. Alors, notre conseil est que cherchez Dieu, priez Dieu, le Seigneur va vous délivrer contre les familles-là, les esprits qui règnent dans ces familles-là. Donc voilà, bien-aimé, souvent, la femme est réclamée par sa famille ou l'homme est réclamé par sa famille. Toi, tu l'as épousé, soit dans cette famille-là, ils ont des problèmes de célibat. Toi, tu es venu, bien-aimé, au coin si célibat la famille, wana, bango bali ke bazala ba lié moko, bazala kana ba parti moko ya célibat, yo oyo bali na famille, wana, sache-le, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui moi, si on a réclamé, vous aurez des problèmes. Tout problème que nous voyons physiquement, les problèmes a été déjà spirituellement la nuit. Ce que nous voyons physique a été déjà traité la nuit. Donc, cherchez Dieu, priez Dieu, confiez vos familles entre les mains de Dieu. Dieu va vous montrer et il y aura une solution, je le crois. N'hésitez pas, allez chez vos pasteurs, demandez les conseils à votre pasteur pour vous aider dans les prières, dans les conseils. Allez chez vos parrains de mariage, expliquez la situation. Les parrains vous aideront aussi bien aimés dans le Seigneur, dans les conseils et dans les prières. Voilà ce que je peux dire, mon frère Bouaka. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions ou des réponses à ajouter, nous sommes là pour débattre ensemble. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, les 15e et les 16e signes, c'est les mariages à problème. J'ai donné des causes. Bien aimé, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tout donner, étant donné que nous sommes en ligne. N'hésitez pas. Ceux qui ont apporté quelques explications, Benga Bisso, numéro Nabisso, au Tchangouana, na Facebook, na YouTube, évangéliste Olivier, au Tchaba, numéro Nabisso, tout maman Irento, frère Boaka, au Tchaba, numéro Nabisso. Benga Bisso, bien aimé, nous allons vous aider sur ces points-là, les mariages à problème. Attention aux influences extérieures aussi, des camarades, des amis qui peuvent aussi, bien aimé, créer des problèmes dans ton couple. Sache-le que, bien aimé, ta femme avait des amis, ceux qui à Bali, Bani ou Babalate, peuvent créer aussi des problèmes à votre mariage. Donc, il y a beaucoup de choses que, au regard, bien aimé, de l'air, on ne peut pas tout dire. Voilà les 15e et le 16e signe. 17e signe d'envoûtement que nous pouvons constater, c'est l'esprit des morts. Molimo Yakoufa. 17e, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de mort. L'esprit des morts. Molimo Yakoufa. Ici, comment, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez constater que il y a l'envoûtement dans cette famille ou l'esprit de sorcellerie dans cette famille. Comme je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort. Vous allez constater dans chaque année, vous perdez une ou deux ou trois personnes dans votre famille. Dans la famille Nabino, chaque année, vous perdez une ou deux ou trois personnes. Merci beaucoup. Ma fille Abigail, bien-aimée dans le Seigneur, du 17e signe d'envoûtement, l'esprit des morts. Donc, vous allez les constater comment chaque année dans la famille, soit à côté de papa, soit à côté de maman, vous perdez une, deux, trois personnes chaque année. C'est que dans cette famille-là, il y a l'esprit des morts,
l'esprit d'envoûtement, l'esprit de sorcellerie. Donc, étant donné que dans cette famille-là, il y a le problème de la sorcellerie, il y a certains membres de votre famille, oyo, il faut pas sacrifier. Bango pe ba liaka na ba famille abatu. Et aussi, ils doivent aussi, bien aimé, faire des sacrifices. C'est pour cela que vous remarquez, bien aimé, dans le Seigneur. Merci, c'est la zombie. Merci. C'est pour cela que vous remarquez, bien aimé, dans le Seigneur. Chaque année, il y a l'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort dans votre famille. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, il faut menacer, repousser, détruire cet esprit de mort dans votre famille. Ce n'est pas normal que chaque année, vous perdez une personne dans votre famille. Chaque année, une, deux, trois, c'est un constant. L'année 2020, vous avez perdu. Année 2022 et 2021, vous avez perdu. Et je ne peux pas prophétiser pour l'année 2022. Mais je prophétise pour toi, vous n'allez pas perdre quelqu'un en 2022 au nom de Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez de tels signes que vous perdez chaque année, il y a des gens qui meurent dans votre famille, c'est que famille wana, ils ont la macambre, en foutu mes awana. Donc, il ne faut pas sacrifier à moutou chaque année. Donc, il y a des sorciers dans la famille. Qui, bien aimé, qui mange, batou et ma famille, moussoussou, yépe na famille, il faut sacrifier. Ce n'est pas normal. La mort est certaine, nous les connaissons, mais ça ne peut pas être dans votre famille. Chaque année, beaucoup fait la ka, moko, mi balé, mi sat, moko, mi balé, non. Comment encore tu vas remarquer l'esprit de mort? Comment encore tu vas sentir que tu es envoûté par un esprit de mort? Je vous dis aussi, bien aimé, il y a des gens qui sentent l'odeur, bien aimé, des morts. Il y a des fois, bien aimé, tout ça, la délivrance en Dekomoko, Azoka na Boutoua, Azoka Soloa Moutoua, Koufa na Chambri. C'est aussi, bien aimé, les signes d'envoûtement, ce sont des signes d'esprit de mort. Azoka Solo, net ya ebembe, ko, Azoka Solo ya ebembe. C'est l'esprit de mort. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, faites beaucoup d'attention tant au Kenda Obamatanga, parce qu'on n'a pas le temps de dire tout. Yoli molata batenia batuba koufa. Kala batuba yeba kate. Bo batuba uti cimetière ba yeba sokoli maboko. Bo ebi mai wana banosa elango nini. Soko uti batuba uti cimetière, bo yeba sokoli maboko. Salite nanga etikali. Yo po sokoli na mai moko wana salite na yo etikali. Mutu niyo so salite na etikali. Obano yeba na suka mai wana bando sa nango ni. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, votre intelligence est voilée. Notre intelligence est voilée. Pourquoi? Pona, tu es ba, ko comprendre gloire, esplendir la gloire en Zambete. Donc, soko kaka, solo amutu akufa, odeur d'une personne morte. C'est l'envoûtement. Tu es envoûté. Faites attention. Ndekomoko alala na butu. Ayoka solo ebembe na chambre. Alamuka solo pende ebembe. Bien aimé, ndekwana bandiko bonde, bandiko bonde, bandiko bonde, bandiko bonde, la tia benga. Bien aimé, basa yinazen ba ebe. C'est l'esprit de mort. Sinyem sousu ya envoûtement, toujours sur l'esprit de mort. Sensation de mettre fin dans ta vie. Or, ce que nous appelons l'esprit de suicide. Oyo ka sensation neti okokufa. Non, ça non moi net na okufa. Na comment penser mikolo kana batu ba kufa mingi. Na zo mwa lokola na zo lota papa na biso akufa, na zo lote mingi, na zo lota, na zo senti neti mama na biso akufa za pene pene langa. Na somo na mwana na nga kufa, na somo na epene pene na nga. Bien aimé dans le Seigneur, lève-toi dans la prière. Soko ka sensation ba tuba kufa. Okomi komo na ba, ozo, yomo ko fandi, ozo mwana lokola na neti na kukufa. Na somo na neti na kukufa.
Je sens que c'est comme si je vais mourir. Bien-aimé, menacez cet esprit de mort-là. Il y a sacrifice. Il y a un sacrifice. Mais dans le monde, il y a un sacrifice. Ceux qui ont posé un sacrifice, tu n'es pas la poule de ta famille pour la fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas selon la volonté de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu es délivré de tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Na yebi sakabino, anoye koza la différente, na ba noye leka, parce que nous avons Jésus-Christ à nous. Ane o bien-aimé dans le Seigneur, o ko fetango différent na ba noye leka, parce que Jésus-Christ est avec nous. Bako sale lo kote na kombo na Yesu. Bando ki a famino bako liayo te na kombo na Yesu Masiya. Même il y a des sorciers dans ta famille. Oh noko, tata moi si yaya leki papa maman. Bien aimé, bako sale le côté au nom de Jésus-Christ. Bako sale le côté au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui va continuer, bien aimé, dans le Seigneur, nous avons déclaré retour à l'espérité au nom puissant de Jésus-Christ. Retour à l'espérité au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort, tu sens, c'est comme si tu vas mourir. Yomo kobando loba, nazomo na lokola na kokufa. Nazomo na lokola na kokufa. Yomo kozo lobango. Ozo lobango, nazomo na lokola na kokufa. Nazo senti lokola na kokufa. Nazo senti bien te. C'est l'esprit de mort, c'est l'envoûtement bien-aimé dans le Seigneur. Faites beaucoup d'attention quand vous voyez de telles choses. Il faut bien aimer dans le Seigneur, chercher les hommes de Dieu. Bien aimer entre l'esprit des morts, surtout dans nos familles, ce sont bien aimés des morts précoces. Quand tu vois dans votre famille, il y a toujours des morts précoces. Bien aimé, vous n'accédez pas à l'âge de 50 ans. Au moins dans la famille, on a beaucoup fait 37, 45, 48, mutuakufi. Ce sont des morts précoces. Dans cette famille-là, il y a des limites. Personne ne peut atteindre 60 ans. Personne. Au moins dans notre famille, na bino, mutuakoma kana 60 ans, 50 ans zaté. Bana nyonso ba dodaka bango. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal quand tu vois des morts répétées ou des morts bizarres. Hein, des morts bizarres, vous dites, mais non, ça c'est bizarre. Bien-aimé, vous savez, je vais vous dire quelque chose sur les sorciers. Donc, bien-aimé, bah, sorcier, ce qui va lier Moutou, il ne mange pas Moutou comme ça. Dès la Zaboué. C'est difficile, va lire Moutou, va lire Moutou dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il lui faut? Va changer Moutou à la bien-aimée, va commissaire Niamamoko Boy, un animal. Soit bien-aimé, va commissaire bien-aimé, Ngoulou, va commissaire Ntaba, va lingane miko comme ça, tu vas Ntaba. Dans le monde sorcellerique, va commissionner nous bien-aimé, animal le Moko Boy, Niamamoko Boy. Pour pas avoir pouvoir à colia au malam. Bien aimé, je ne peux pas dire d'autres choses quand nous parlons sur l'initiation à la sorcellerie. Quand je vais aller plus profond sur la sorcellerie, je vais vous expliquer ça. Soko lota rabando tona butu hein, batuma memio, batikio swati na nzela, batikio na zamba, batikio likolan zete, batikio na mai. Bango va continuer Nzela. Après, Hermoko va récupérer yo bozongi. Et ça va signer initiation à la sorcellerie. Bako memo na nous place bango ba salaka marché à sorcellerie. Je vais vous expliquer ça après quand je vais parler la sorcellerie dans sa profondeur. Alors bien aimé dans le Seigneur. Tout ça la délivrance.
na quartier bien-aimé Nef Nanjili. Subitement, une sœur bien-aimée, elle est en train de manger à Kouéi. Batwa gangé à Koufi, elle est morte. Quand les sorciers mangent quelqu'un, babo makena numbala mokote. Ba rozwaka mo limonaye. Ba tikiango likolo ya nzete. Plus M balinga mingi nzete ya mbila na nzete ya kokoti. Un jour la ko expliquer bino de nzete wana. Il y prend ton esprit. Il y cache ton esprit. Nanzete ya mbila ou nanzete ya kokoti. Comme ça, les gens pleurent. Ah, ande kon abiso akoufi. Bien aimé, ma obome nan lute. Ke baso moni moutou akoufi, azo bimisama ya michou. Ke baso moni moutou akoufi, azo transpiré. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, bien aimé, dans le Seigneur. Son moni moutou akoufi, azo transpiré. Il n'est pas encore mort. Il est quelque part. Il est quelque part bien aimé dans le Seigneur. Bako, ce qui peut poser un esprit à discernement, bon, mais miem balamo qu'on a mort. Là, bien aimé, qu'est-ce que le monde des ténèbres font? Na minuit, ne bako boma, si comme boma pena moutouana bien à minuit, ba juste comme olimo ba bomba qui n'en zete. Ba bomba ki bien aimé dans le Seigneur ba juste comme au limona ba bomiango siko bien wana mutakufi ya solo. Quand vous voyez de telles choses et bébé mutakufi mbala moko azo transpirer, mbala moko azo lela, bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, priez. Vous allez récupérer son esprit. Son esprit est quelque part. Mo limona est quelque part. Non ba bomie penza te. On l'a pas encore tué, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est quelque part. Si tu as la foi au nom de Jésus-Christ, au bon délit, tu vas récupérer son âme. Bien-aimé, la sorcellerie, c'est un monde très, très, très mauvais. Si vous avez un sorcier dans la famille, bien-aimé, je te conseille de prier pour lui, qu'il se convertisse. Abongo la mouté, manima Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, la délivrance de cette sœur a été comme ça. On l'a tué, mais elle était quelque part. Bien aimé, tu as une retraite dans le quartier 13. Oh, bah, yébi, bien aimé, maître croqué dans Mukili Mwinda. Tu as une retraite qui a équipé notre évangélisation. Eh bien aimé, on nous a dit que sœur X a coûté un problème. Bien aimé, tu quittes son retraite. Bah, prière, bien aimé, dans le Seigneur. Mouto soi-disant Koufaki, abandiko sanza. Abandiko sanza, bien-aimé. Tu comprenais qui est bien-aimé dans le Seigneur, elle était quelque part. Parce qu'elle transpirait directement. Dieu l'a fait grâce. Zambasala Serwana Mireille, grâce. C'est raison en vie. Aujourd'hui, elle est en vie. Bien-aimé, elle est mariée, elle a des enfants. Attention quand tu sens la sensation. Sozo ka sasonet na kokufa net na kokufa benga basali na nzambe ba bonde la pona yo atoye lion na butu bien aimé bonde la benga basali na nzambe telephone abisu e kanga makate 1h 2h 3h 5h appeler nous allons prier bien aimé que Dieu nous fasse grâce on vous parlera beaucoup to lobe la bino mingi bien aimé dans le Seigneur makambo plus loin donc bien aimé des morts bizarres. De mort, moussou, sibit. Attention. Ma kamebele le lo bien aimé. To anon ben a oba kosiki bota na Congo. Yabo to mona le lo ba AVC. Bien aimé. Ba AVC ming eza le lo. Eza nan mo bien aimé. Ma kamchouza ma kamaboutou. Ce sont des AVC spirituels sorcelleriques. Vous allez voir même les médecins et même ne comprennent pas. Mais tu étais à bon du santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Na Congo, tu as nouveau ben amou, hein? Kosikibota, bien aimé dans le Seigneur, babete Kosikibota. Pas! Bien aimé dans le Seigneur, batu babeta ba papa belé à batu en Afrique. Oh, papa, on a dit que tu as souki à Pembe, moi, on a dit que tu as souki à Pembe.
ba beta ba papa ba toujours ça l'ango bien aimé ba ningi ça l'ango ba koshkibota. Priez bien aimé dans le Seigneur, tu verras cette maladie là va s'arrêter au nom de Jésus. Maladie wala bien aimé et un pouvoir te na kombo na Yesu. Bien aimé, ba ebsinga volume exacte, je sais pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Il faut dévoiler les œuvres du diable. Bien-aimé, nous sommes là pour dévoiler les œuvres du diable. Comment noter Satan au sein de l'autre côté. Satan, Azana Mukili, Mazon Régnette, c'est Jésus-Christ qui règne. Bien-aimé, Satan, Jésus l'a dépouillé sur la croix. Bon, continuons sur Satan. Jésus-Christ l'a dépouillé sur la croix de Golgotha. Yes, soit joie qui bon, continuons sur Satan. Il était dépouillé. Je sais qu'il est sur la terre, mais il ne règne pas. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. Bien-aimé, comment on a quitté? On a coutu bien, on a noté, 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 bien-aimé, dans ta famille, s'il y a des sorciers, bien-aimé, bâti caillot au nom de Jésus. S'ils ont préparé un plan pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants, bien-aimé, leur plan, je les déclare qu'ils soient nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, bah on sort de l'autre. Comment naté? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Moutabote la mabo kwaye choisati. Alléluia, bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, un autre signe, parce qu'il y a bien le lot, il faudra qu'il n'y ait plus loin. Na moya tozaka na enseignement na pokwa to na prière. Un autre signe, je pense que 18e sur la bonne sanité, aidez-moi, je pense que 18e signe. Une sensation bizarre. Une sensation bizarre. Un autre signe bien-aimé, une sensation bizarre, une sensation bizarre. Une sensation bizarre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le 18e signe. Une sensation bizarre. C'est quoi? Je vais m'expliquer, je vais vous expliquer. Et plein de Dieu. Une sensation bizarre, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand vous sentez des sensations bizarres telles que bâillement. Bien-aimé, au sac à bâillement, moko bien-aimé, bizarre. Les médecins disent que tu as un peu de temps, tu as la fièvre. De as un peu de bâillement, tu as donc, bâillement, moko bien-aimé, répétitif, répétitif. Les médecins vont te dire, bien-aimé dans le Seigneur, yo te monyo go sa la fièvre. Il y a d'autres bâillements, c'est un signe d'envoûtement. Tu es envoûté, bien-aimé, tu fais des sensations bizarres. Donc, bâillement, moko bien-aimé, go sa la geste, moko boye, bizarre. Il y a un esprit d'envoûtement, il y a envoûté, yo bien-aimé dans le Seigneur. Ça commence à manifester comme ça. Je vous ai donné un exemple. Les gens disent que yo ne mon sala boya ko sala fièvre pamba. Nous on baye boye ba geste au sang net au sa fièvre. Lorsque aussi il y a un esprit d'envoûtement, vous pouvez constater ça. Vous pouvez constater ça. Vous allez encore bien aimer voir ça. Bien aimer père souvent. Père Obangaka, bangaka, bien-aimé dans le Seigneur, incroyable. Obangaka, bien-aimé, lorsqu'il lui fait nuit, toi tu es mal à l'aise. Lorsqu'il lui fait nuit,
Bien-aimé, tu es mal à l'aise. Toi-même, tu te demandes, je ne sais pas cette nuit si je vais bien dormir. Mais tu sens là la bien à vous toi, la sensation beaucoup bizarre. Pleurs incontrôlables des enfants. Toujours la sensation bizarre. Pleurs incontrôlables des enfants. Je suis clair, hein? Ce n'est pas plaire comme plaire, mais plaire incontrôlable des enfants. Coller la moi na zo lela, bien les mots qu'on contrôler coller la moi na te. L'enfant plaire tout à bien les moi na zo lela zo banga, moi na zo lela qu'on fonge la mise sous tes soins pour mise au tel icolo a gagné sous ma case. Ce sont des sensations bizarres. Il faut faire beaucoup d'attention. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup de sensations bizarres. Au bini moi na porte andaku, au senti le rôle au monde le comment mais mon senti ka bien été. Faites beaucoup d'attention. Au lingo bima moi explorer bisio ko bimate zonga. Mais yo bien-aimé dans le Seigneur, au salika mutu makasi au bimi, au bima moi au sali accident. Obima boy bien aimé okutani la problème. Ce sont des sensations bizarres. Diable est risé. Est risé bien aimé dans le Seigneur. Toutes tes sensations bizarres et bizarres. Aujourd'hui, on a bien aimé, comme je vous ai dit, plaire incontrôlable. Moi, je suis là, moi, je suis là, la suis au moins, on a paix, maman, les gokende. Moi, donc, net, moi, les gokende. Bien aimé, priez. Peut-être, il y a un esprit d'envoûtement dans la maison. Ozo là, la boye. Bien aimé, pas de sommeil. Pongé, zoyate. Tu sens, c'est comme s'il y a la présence de quelqu'un dans la maison. C'est l'envoûtement. Il y a la présence de quelqu'un. Oluki, pongi. Pongé, zoyate. Olali. Pongezo yaote. On a senti présence de quelque chose dans la maison. Soit, il y a quelque chose qui se fait dehors. Il y a des sorciers qui font des réunions dehors. Il y a des francs-maçons dans votre immeuble qui font des réunions. Maintenant, il y a l'influence des forces des ténèbres dans votre immeuble, dans ta maison. Lève-toi, prie. Ce sont des sensations bizarres qu'il faut vraiment bien aimer dans le Seigneur. Ne laissez pas passer. 19e signe, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vite, bien-aimé dans le Seigneur. 19e signe. Les célibats prolongés. Célibats prolongés. Bien-aimé dans le Seigneur. 19e signe. Les célibats prolongés. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, célibat prolongé, c'est aussi un signe d'envoûtement. Car celui qui t'envoûte ne veut pas que tu puisses te marier. Alingite yobala, il va commencer à repousser les hommes ou les femmes loin de toi. Quelles sont les causes de ce célibat prolongé, soit tu as un mari de nuit ou une femme de nuit. Vous voyez bien aimé, soit aux ans à la boutou, soit aux ans à moisi à boutou, la femme ou le mari de nuit va repousser, bien aimé, le mari ou la femme du jour de venir te proposer pour le mariage. Donc, beaucoup de causes de célibat prolongé, ezaka, ozala mwasi moko ya butu, to mobali moko ya butu, ye azo repousse le mari ou la femme du jour va approcher au thé et ça prolonge le célibat. Donc, imaginez que mari et femme de nuit, ce sont des esprits humains. Ce sont bien aimés, ça peut être un sorcier, un occultiste.
Or, l'envoûtement, c'est les œuvres, bien aimées dans le Seigneur. L'envoûtement, c'est les œuvres de la sorcellerie. Cause moussous, bien aimé, il y a célibat prolongé. C'est bien aimé, le masque de vieillesse. Quand quelqu'un, bien aimé, a un masque de vieillesse, tu vois une jeune fille, bien aimé, elle devient comme, bien aimé, une mamie. Un jeune garçon devient, bien aimé, comme une papy. Un papy, pardon, bien aimé, bon, excusez-moi. Et le temps de longue, il y a frère. Et le temps de jeune, quoi, ça, mon colo. Bah, là, tu sais, masque de vieillesse. C'est l'envoûtement. Bah, envoûté dans la sorcellerie. Frère, bah, là, tu sais, masque de vieillesse. Sœur, bah, là, tu sais, masque de vieillesse. À toi, tu es rouge, baiser. À toi, tu es faux de teint. Faux de teint, ils ont quitté, c'est comme si poussière. Ils ont simbali chouchouté. Neko, Luca délivrance. Conseil, on peut se louer délivrance. Nzamba tinda yo po bala. Ma soeur, mon frère, nzamba tinda yo po bala. La Bible dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas le pasteur Joël qui a dit, il n'est pas bon. C'est Jésus-Christ qui a dit, il n'est pas bon. C'est nzambe na lola mokeli na likolo la se. Alobeza mala mouté, moutoisa la célibataire. Ngate mout na lobiango. Nzambe la jeunesse à l'obi, ezama la mouté, moutoisa la célibataire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezama la mouté, moutoisa la célibataire. Bien aimé dans le Seigneur, bah là, tu sois masque à vieillesse. Jeune sœur, et l'on y a comme à l'oua moukolo. Jeune frère, et l'on y a comme à l'oua moukolo. Quoi il s'est délivré, bien aimé, quoi il s'est célibat? Je prie pour toi. Je déclare pour toi, mon frère, ma soeur, qu'en 2022, bien-aimé, le célibat va tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi, bien-aimé, qu'en 2022, que le célibat tombe au nom de Jésus. Ma soeur, que le célibat tombe en 2022 au nom de Jésus. Tu auras un mari qui va t'épouser au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je déclare pour toi que le célibat tombe en 2022. Tu vas épouser une femme, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le masque de vieillesse là, bien-aimé, je détruis le masque de vieillesse au nom de Jésus-Christ. Que le masque là tombe au nom de Jésus-Christ. Que les maris et les femmes de nuit, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare le divorce spirituel, que tu sois libéré. Des maris de nuit, des femmes de nuit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, célibé Kouéi, na 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, ma kamaliba na réseau bandana 2022, au nom de Jésus-Christ. Je le crois au nom de Jésus. Je déclare comme l'homme de Dieu, en 2022, bien-aimé dans le Seigneur. Ma kambaliba la noue bandi na kombo na Yeshu. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre cause de célibat prolongé, c'est le lien de famille. Batmoussou le lobazo ba la te parce que les liens ya famille na bango. Na famille wana baba la raté. Shkosoki yo bali moutouali bosso, bien aimé bako combattre yo makasi. Soba ba tiki yo bala, ba okango na bana. Soba ba tiki yo bala, ba rozelo na ba cesarien na robota. Soba ba tiki yo bala, robota bana, ton soba na ba problème bien aimé à santé. Soke za lien à famille. Yango bien aimé, je déclare que ce lien de célibat soit brisé, soit rompu au nom de Jésus-Christ. Sortez dans cette famille-là où il y a le lien de célibat. Sortez au nom de Jésus-Christ. Bima la famille, là où il y a les liens de célibat, au nom de Jésus. Que ton mariage sera célébré en 2022 au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton mariage sera célébré en 2022 au nom de Jésus. Sortez dans cette famille
où il y a les liens de famille, de célibat, que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ces liens de célibat tombent au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y en a comme on a Yeshu Masia. Bien-aimé, notre Dieu vivant. Au côté qui gêne, il y a un mois, aux en avoir objectif à gêne, moi, il y a un objectif. Ce qui n'a pas balité, nous avons déclaré le Kola Mosaï dans Zambé. Zamba sali au grâce. Dans 2022, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu verras ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu verras ton mariage au nom de Jésus. Sortez dans la famille, là où il y a des liens de famille. Que les liens, bien-aimé, de célibat tombent. Que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bah, son kangaliba la naïo. Bien-aimé, ma papa va au kangaliba na yo, ma coco va au kangaliba na yo, na libéré yo na famille wana au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est vivant, bien-aimé, dans le Seigneur. Retard pèse à la rater. Attends à 50 ans au kobala. Attends à 55 ans au kobota. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Zamba peso bana même na 55 ko zwa bango nom de Jésus-Christ. Gardez la foi en Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Il faut bien-aimé qu'on téléme la balia ma famille, qu'on brise, qu'on rompre, qu'on sorti. Dieu t'a fait pour bien-aimé au bala. Aux amois si faut bala, aux amobali faut bala. Famille et kanga que li balé ça la matin la famille na bien-aimé. Famille wana batiki au nom de Jésus-Christ. Obimi na famille wana au nom de Jésus-Christ. 2022 sera ton témoignage et ton témoignage sera ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Bien-aimé, c'est Jésus qui règne. Jésus règne. Je sais que le diable est là. Je sais que le Satan est là. Mais c'est Jésus-Christ qui règne. Yesu naza ko régner bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cause moussou soit célibat, la prostitution bizarre. Il y a une autre cause de célibat, c'est la prostitution bizarre. Tu vas voir dans cette famille-là, l'esprit est en voûte à la prostitution bien-aimé dans le Seigneur. Batindaka na mwana mwasa koma osa ne prostitution. Alinga roba la tête. C'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie de la famille. Kindo ki a famille de Sengabongo. Ba envoûtabana. Elles font seulement la prostitution. Prostitution, prostitution. Sans bazana penser, ils n'ont pas les pensées de mariage. Bien aimé, liba les a goumo kona ebisayo. Son anobalité romana opeso pasipo liba les a goût liba les a lengi bien aimé dans le Seigneur. Nzamba yo qui se lengi wana na 2022 n'epoko ka eso ya na 2022 nzamba sali yo grâce nzamba kamuso na 2022 au nom de Jésus Christ pour la libala nzambe a sepeliso na 2022 pour la libala dans la combo na Yesu Jésus Christ est vivant. Alors bien aimé, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. 20e pour terminer ici. Là, ça concerne que les femmes. Pas des règles masculines ou des règles très, très, très douloureuses. Pas des règles bien-aimées masculines pour la femme ou il y a des règles très, très, très douloureuses. C'est un signe d'envoûtement. Ce qui moi, si au moins, on a sous ma règle la haute. Mozala on a jamais une opposité.
On me la rappelle à Pili, la bino la bombe la hâte. Mais tu ne vois pas tes règles. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est un signe de l'envoûtement. J'ai dit, pas de règles. Ou des règles très, très, très douloureuses. Ou encore des règles, bien-aimés. Il y a ceux qui font des règles 14, 18 jours, 22 jours de règles. Oh, ce n'est pas normal. Et en normalité, mon frère, ma soeur, si tu as des règles très, très, très douloureuses, on sait que des règles Zaka douloureux parfois. Mais j'ai dit très, très, très douloureuses. Ou tu n'as pas de règles du tout. Ou, bien-aimé, tes règles est prolongée. Bien-aimé, on a fait la délivrance d'une soeur. Ma règle est au salon, 28 jours à règle. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement, mon frère, ma soeur. Quand tu vois de telles choses, allez voir votre pasteur. Pas de règles. Pas de règles. Non, pas masculine, mon frère. Mais il y a moi. Pas de règles ou des règles douloureuses, très, très douloureuses. Menstruelles, oui, bien, merci beaucoup. Vous pouvez corriger ça. Des règles, bien aimées, pas de règles menstruelles ou trop, trop douloureuses ou des règles prolongées. Et dans la base, si pour ma règle, 3 semaines, 4 semaines, bien aimé, tout ça, la délivrance. Tout ça, la délivrance, bien aimé, merci ma soeur. Oui, tes miracles. Alobi, Ezali, à solo pasteur. Tout ça, la délivrance, il y a une quoi, la règle, il y a. Et ça, la 28 jours, et s'il a raté. Oh. Bien aimé, dans le Seigneur. Ce qui 28 jours, maquillé, zobime, zobime. Au gros, s'il a maquillé. Mais il a maquillé, s'il a arrêté. Ce sont des signes d'envoûtement. Ce sont des signes d'envoûtement. Si tu es là, ma soeur, mon frère, je prie pour toi que tes règles, bien-aimées, elles sont anormales au nom de Jésus-Christ. Que tes règles, bien-aimées, elles sont anormales au nom de Jésus. Que l'esprit d'envoûtement, bien-aimé, à travers ces règles, quitte ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as des règles prolongées, 3 semaines, 4 semaines, ou pas du tout des règles. Mais tu ne prends pas les médicaments ou des règles très, très douloureuses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de chercher la délivrance. Bien-aimé, Tosuki Apona Lelo, je vous ai dit, je vais vous donner 20 signes. Il y a plus de 80 signes d'envoûtement. Je dis plus de 80. Nous avons encore le temps. Nous allons continuer les enseignements avec le temps. Bien-aimé, toi, quand la sige, mon côté, au bon de la lélo. Et dans la prière à 5 minutes, que chacun va prier comme le Seigneur l'a parlé cet après-midi. Bon de la bien-aimé, comme le Seigneur t'a parlé cet après-midi. Je vous ai dit, le enseignement à midi, prière. Rendez-vous n'a pas quoi prier à 1 heure du temps. Rendez-vous ce soir. Priez bien aimé pour 5 minutes comme le Seigneur nous a demandé. Bien aimé, le Seigneur nous a prêché. Tu te retrouves dans quel point, dans quelle situation? L'envoûtement, c'est les œuvres, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est les œuvres de la sorcellerie. Est-ce que tu as des problèmes de perte de sang? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme notre frère a dit, la femme qui avait la perte du sang, c'était une maladie spirituelle, c'était pas une maladie normale. Mais bien aimé, les jours qu'elle a vu Jésus, bien aimé, tout s'était arrêté. Des règles prolongées de 3-4 semaines, très très douloureuses, ou pas, tu ne vois plus de règles. Mais tu n'es pas en ménopause. Tu ne prends pas de pilules. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, prier comme tu as attendu la parole de Dieu, que 5 minutes de prière
Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur notre Dieu. La Bible me dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la puissance de la parole de Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus, par ta parole, nous sommes délivrés cet après-midi. Délivrés de l'esprit de mort au nom de Jésus. Délivré de l'esprit de célibat prolongé au nom de Jésus. Délivré des règles prolongées très très douloureuses au nom de Jésus-Christ. Délivré des maladies spirituelles au nom de Jésus-Christ. Délivré Seigneur, ton peuple, car la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Solo et Kokango la miso, Yahweh, à travers la vérité de la parole puissante de Dieu, nous sommes délivrés. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Tu nous as parlé de ta part. C'est la vérité, car c'est la vérité qui nous affranchira, ce qui est la parole puissante de Dieu. Seigneur, je sais qu'à travers cette parole, tu as déjà délivré ton peuple. Parce que tu nous as dit, Seigneur, tu nous as enseigné, Seigneur, la vérité de la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre là où il y a le nez de nos problèmes, là où ça pique, là où ça fait mal dans nos vies, afin que nous puissions prier, Seigneur, prier avec connaissance de la parole de Dieu. Jésus, Jésus, écoutez la prière de mon frère et de ma sœur. Seigneur notre Dieu, nous sommes à la fin de cette année. Nous ne voulons pas que ton peuple entre en 2022 avec l'ignorance. Avec l'ignorance, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, que la vérité puisse éclairer dans notre vie. Tu as éclairé ta vérité, Seigneur, sur cet enseignement, sur l'envoûtement éternel entre Dieu. Agis Saint-Esprit, agis Saint-Esprit, agis Saint-Esprit, délivrez ton peuple contre tout esprit de mort. Ce n'est ceux qui sentent la mort, ceux qui rêvent les gens morts. Seigneur, je délivre ma soeur contre cet esprit de mort au nom de Jésus. Elle n'est pas la poule de sa famille au nom de Jésus. Ma soeur ne mourra pas avant le temps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le Seigneur de grâce. Toi qui as commencé avec nous 2021, Seigneur, nous allons terminer dans quelques heures. C'est moi, cette année 2021, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as protégés pour ces 31 jours de programme et de jeûne et prière. Jésus, Jésus de Nazareth, agis puissamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander le reste de notre programme de jeûne. Il nous reste 24 heures pour terminer ce programme d'un mois de jeûne, des enseignements. Tika, bien-aimés, journée moko tika li ya jeûne à maboko na Zambé. Kaba prière à poko alelo, bien-aimés, na poko alelo 100% prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour l'année 2021. Nous allons prier pour l'année 2022. Nous allons prier pour les malades. Nous allons déclarer des prières de délivrance et ce soir réclamer bien aimé tika prière à pourquoi le maboko en zambe na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia Jésus. Tu es là le Seigneur de grâce. Tu agis puissamment à travers ta parole Seigneur. Donne-nous la force de prier ce soir, de déclarer ce soir. Seigneur, je sais que ton peuple est déjà délivré.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Tu es le Tout-Puissant, Jésus-Christ. La manne cachée, Jésus-Christ. Les restes de mon programme de jeûne entre tes mains, les saintes mains, Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel des armées. Béni soit Jésus-Christ, notre Père, toi qui règnes sur nous, qui règnes sur ce monde. Alléluia, Jésus. Merci, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a parlé de la part du Seigneur. Recommandez, bien-aimés, ta famille, ta vie entre les mains de Dieu. Déclarez victoire, succès et réussite au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, la réussite, le succès au nom de Jésus. Je réclame la délivrance au nom de Jésus. Je réclame la guérison, miracle au nom de Jésus. La paix, la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié comme un seul homme. Et nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, on peut acclamer Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien aimé, nous sommes à la fin de ce programme de midi. Par la grâce de Dieu. Rendez-vous sacré ce soir à 21h. Bien aimé, nous avons 100% prière. Causant la tête à pourquoi l'élo. Bien aimé dans le Seigneur. Toujours bien aimé qu'on commence à la fin de l'année. Année comme une souka. Attention à la distraction, peuple de Dieu. Lève-nous dans la prière. Lève-nous dans la prière, mon frère, ma soeur. Demain, nous avons bien aimé les programmes de veillée en ligne, veillée de prière en ligne de 23h30 à 1h30. Nous vous invitons, bien aimé, invitez les gens, partagez, bien aimé, dans le Seigneur, s'il est nécessaire, veillez pour les câlins. Vous serez chez vous, bien aimé, en famille, participer dans ce programme de veillée en ligne. Et bien aimé, pour terminer en beauté cette année et entrer, j'appelle ça veillée bien aimé dans le Seigneur de traverser. Bien aimé, nous traversons 2021 pour aller en 2022. C'est vraiment un veillée de traverser. Donc, informez bateau va éviter. Yebisa ba ndeko ba ebite ba tuba s'abonner massivement pour na veiller à lobby. Na tiango na Facebook déjà communiqué. Bien aimé, partagez en mot pour la bande ko na biso. Voilà bien aimé, ce dimanche sera le premier dimanche de l'année 2022. Ne manquez pas la prière parce que c'est le premier dimanche de l'année. Bien aimé, nous attendons aussi vos cadeaux, je vous ai dit. Nous attendons vos cadeaux. La Bible me dit, si vous pouvez si vous avez un livre, vous pouvez si vous avez un livre, puis, vous avez une bonne fête, vous avez un cadeau, la Bible va dans Zambé. Vous pouvez vous avoir dans Zambé. C'est vraiment une bénédiction pour vous, bien-aimés. C'est une bénédiction. Quand tu penses aux hommes de Dieu, Dieu va penser à toi. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, ne manquez pas 21h. Bye bye.